Les amis, je vais vous faire profiter de la vue. Là, je suis à Nazareth et je vous montre la plage de Nazareth, la plage qui est réputée pour les grandes vagues, là où se retrouvent tous les surfeurs. Voilà, belle vue. Et je veux que vous en profitiez aussi. Et là, nous allons traverser le pont de Lisbonne. C'est le pont du 25 avril. C'est le pont qui va dans le sud du Portugal, Algarve. Et là, vous voyez sur la gauche le Christ qui est dirigé vers le pont et vers la. Alors, après ma petite virée au Portugal pendant 3 semaines, je viens de rentrer et donc je vais vous montrer ce que j'ai apporté. Alors, vous voyez, j'ai apporté. Là, j'ai apporté des petits choux. Il y a des choux. Des choux cabus, des choux frisés, un peu ce genre-là. Là, j'ai apporté, ça c'est de, comment ça s'appelle, du poireau. Voilà, j'ai apporté des poireaux. Et là j'ai apporté des oignons jaunes et des oignons rouges. Et c'est des oignons comme vous voyez là. Alors ils font à peu près 440-450 grammes chaque oignon. Donc j'ai pris ça, je me suis dit que je vais les faire monter en graines et puis je vais récupérer les graines pour essayer ce style d'oignon là, parce que c'est des beaux oignons, ils sont balèzes. Hein. Donc je voudrais essayer avec les graines, voir si je peux en cultiver ici. Donc je vais déjà commencer par les oignons que j'ai ramenés, là, la semence que je vais planter pour voir. Et puis ça, ben, je récupérerai les graines pour l'année d'après. Puis on verra bien ce que ça va donner. Voilà. Je pense que je peux... Après, voilà, c'est pas le même climat, c'est pas tout ça. Donc est-ce que ça peut y faire? Mais bon, je veux tenter l'expérience, on verra bien. Donc j'ai amené de l'ail, de l'oignon... Des choux style cabus, style chou frisé. Ces deux oignons-là. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Alors la vidéo est terminée. Je vous offre encore une belle vue. Ici vous avez le barrage, un des plus grands barrage du Portugal pour faire d'électricité, qui se trouve à côté de Fleixinho, actuellement bien rempli, très joli. Voilà la pancarte de l'entreprise qui exploite ce barrage. Et là vous avez une belle petite fontaine qui est au milieu d'un village qui est juste à côté. Voilà, très joli, très belle petite fontaine, pareil, tout est bien plein d'eau. Voilà, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois. Allez, merci, au revoir.